esperanza tome forma. Sabrás de qué estoy hecho y llorarás una vez que mi venganza tome forma. Te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Ah, allez, allez, entrez. Ça va mieux? Oh. On peut parler? Pourquoi c'est difficile pour toi d'accepter Fernanda? Pourquoi? Parce que tu es mon fils, et je t'aime, et je veux le meilleur pour toi. Cette femme est une opportuniste. Attends, si c'était le cas, elle serait avec moi depuis bien longtemps, et elle ne t'aurait pas embêté avec l'histoire des éleveurs, hein? Écoute, attends, Raphaël, je comprends que tu sois attaché à cette femme. Mais rien ne dure éternellement, mon fils, c'est temporaire. C'est triste de penser comme ça. Je vais me battre pour qu'on puisse être ensemble, à jamais. Tu vas te battre seul, parce que je n'accepterai jamais cette femme ici, dans ma maison, ou en tant que belle-fille. Quand je me marierai, Fernanda fera partie de cette famille, que tu le veuilles ou non. Tu peux l'épouser. Mais elle sera jamais considérée comme une Toscano. Et elle va encore moins mettre un pied à l'hacienda. C'est triste de ta part. Mais je ne vais pas arrêter d'être heureux. Pour toi. Raphaël, si tu épouses cette femme, quitte le ranch. Tu peux aussi nous oublier, et pour toujours. Très bien. C'est ce que je vais faire alors. Parce que je ne vais pas changer d'avis. Pense à ce que ta mère va ressentir. Ne parle pas pour elle. Son seul enfant va vivre avec une arriviste et va nous quitter pour toujours. Tu penses que c'est juste pour ta mère? Ne me fais pas chanter, papa. Non. Je ne vais pas arrêter de voir maman, sauf si elle me le demande. C'est là. Oh. Oh. Non, ça fonctionne pas. Et c'est à l'entrée. Essaye ici pour voir. Attends. Ici, ici. Ah. Ça c'est marche. Bon, yeah. Mais ça prend beaucoup de temps pour charger les vidéos. Comment je vais me préparer pour rencontrer mes beaux-parents? Tout ce que tu as à faire, c'est être toi-même. Comme David te l'a dit, s'ils sont de bonnes personnes, ils t'accepteront et t'aimeront. Ouais. Tant que tu manges pas avec tes mains ou que tu mâches pas la bouche ouverte, tout ira bien. Je te l'avais dit. Oh, je ne mange pas comme macaroni. Oh, n'écoute pas Rouhanna, il faut toujours qu'elle exagère. Oh, je veux juste que tu sois heureuse avec ton petit docteur, tout comme elle avec Raphaël. Et pour ça, je vais devoir allumer 20 bougies à Saint-Antoine. Ça y est, ça fait voir. Ah, c'est... Oh, mais c'est une grande terre. Je sais ce qui s'est passé avec Raphaël et je viens pour te consoler. Non, c'est pas le bon moment pour se voir, Beto. Je suis sérieuse. Pour moi, si. Isa oublie de prendre l'argent de Raphaël. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Beto, tout mon plan est tombé à l'eau. Eh ben, c'est peut-être un signe pour qu'on puisse être ensemble, non? Sans argent pour vivre comme je l'entends, Beto, j'en doute fort. On parlera plus tard. Je ne veux pas qu'on te voie avec moi. Isa... Non. Oh.
Raphaël, s'il te plaît, ne pars pas. Ton père a dit ça parce qu'il était en colère. Non, tout ce qu'il m'a dit venait de son cœur. Il me considère comme son ennemi, au lieu de me voir comme son fils. Je vais lui parler pour le ramener à la raison. Maman, ne fais pas ça. Je ne suis plus un enfant. S'il pense qu'en me faisant sortir d'ici, je vais m'éloigner de Fernanda, eh bien, il se trompe. Raphaël ? Attends. S'il te plaît, Raphaël, on n'a pas fini de parler. Maman, je t'en prie, écoute. Si tu vas me dire que je me trompe sur Fernanda, ne perds pas ton temps. Je ne sais pas si elle t'aime vraiment. Elle n'était même pas avec toi pendant ta convalescence. Elle n'était pas avec moi à cause d'un malentendu, c'est tout. Oui, mais quand même, elle ne t'a pas soutenue. Écoute, maman, je comprends que tu préfères Isa, mais je ne peux pas être avec elle. Si je pense à Fernanda, ce ne serait pas juste. Depuis le début, Isabella a montré qu'elle t'aimait vraiment. Malgré ça, je ne l'aime toujours pas. Mon bonheur est avec Fernanda. J'aimerais que tu comprennes et que tu me soutiennes, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as pas compris quand je t'ai dit que je ne veux pas qu'on te voie avec moi? Tu sais très bien que je ne vais pas te laisser seule. D'accord. T'as une solution pour que je me remette avec Raphaël? Non, et arrête de penser à ça. Si toi et moi on s'aime, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est pas suffisant pour moi. On a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour avoir une vie heureuse ailleurs. Oh, bon sang. Pourquoi tu veux partir? T'as honte de rester ici et de m'épouser? Il faut que tu comprennes que j'ai besoin de partir pour recommencer à zéro. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne comprends rien. Écoute, quand on aura terminé le travail qu'on fait avec Octavio, Angela retournera à la capitale. Et moi, je vais partir avec elle. Non, Isa, tu peux pas me faire ça. Je ne veux pas que tout le village se moque de moi parce que Raphaël va en épouser une autre. Attends, non, je vais pas te laisser partir. Il faut... Non. Alors dis à Raphaël qu'on sort ensemble. Fais-le, fais-le. Je n'ai plus rien à perdre, alors vas-y. Dis du mal de moi, s'il te plaît. Je ne te ferai jamais passer pour une mauvaise personne. Je t'aime trop pour dire du mal de toi. Et il faut que tu saches que quoi qu'il arrive, je ferai ce que tu veux. Même si nous devons nous cacher pour être ensemble. Je pense que cette robe t'ira à merveille. Oui. Elle est magnifique. Avec ça, les parents du petit docteur seront très impressionnés. Bon, attendez, faisons le point. Fourchette, oui. Les cuillères, oui. Oui. Respire, tout va bien, calme-toi, tu es magnifique. Oui, mais s'ils servent des spaghettis, qu'est-ce que je vais faire? Mais non, fais attention à ne pas renverser la sauce sur toi, hein. Parce que sinon, ça serait vraiment la honte. En plus, ce serait dommage de tâcher ta robe, hein. Oh, Juana, ça ne m'aide pas. Non, vous savez quoi? Je vais aller faire du thé, parce que toi et Juana, vous ne m'aidez pas vraiment. Oh. Tu vas être magnifique. Allez, ça va aller. Oh, Clara. Ce qui me préoccupe, c'est qu'elle veut cacher son passé à David. Et c'est presque impossible. Je ne pense pas que David puisse comprendre ce qu'elle a dû faire pour survivre. Il ne sait pas ce que c'est que d'avoir faim, d'être seul, de ne compter sur personne. Et tu ne vas pas non plus dire à Raphaël ce que t'as vécu avec Octavio. Cette douleur, je vais la garder pour moi aussi longtemps que... Aussi longtemps que quoi? Écoute, je suis heureuse avec Raphaël. Si je lui dis tout ce que son père m'a fait, ça va très mal se terminer. Oui, tu as raison. Non, Raphaël deviendrait fou s'il savait que son père a tué ton ex-mari et qu'il a osé abuser de toi. Raphaël ne croira jamais que son père est mauvais. Jusqu'à ce que j'obtienne toutes les preuves, Juana. Oui, celles que tu n'as pas. Oui. Pour toi et pour Raphaël, il faut que tu laisses ça derrière toi. Très bien. Oui. Enfin, pour le moment. Oh non, c'est pas vrai, mais comment ça pour le moment? Oui, oui. Comme tu le dis, Juana, tôt ou tard, la vérité finit par éclater. Mais cette vérité, il n'y a que toi, Louis et Myriam, et moi. Qu'ils savent, t'as parlé de Santiago à Raphaël? Non. Non, non, non.
J'ai tellement de mal à parler de lui. Je comprends, Fernanda, mais si tu vas te marier, je pense que Raphaël a le droit de savoir que tu es veuve, non? Tu sais que tu peux toujours compter sur moi, mais tenir tête à ton père pour te défendre, ce n'est pas possible. Je ne veux pas me battre. Je veux simplement qu'il la respecte. Qu'il respecte ma décision. C'est oui. Tout ce que je demande, maman. Oui, mon chéri, mais tu fais les choses sans réfléchir. Qu'est-ce que Fernanda t'a fait pour que tu prennes cette décision? Elle m'a prouvé qu'elle-même. Et ça me suffit. Et oui, je peux imaginer que c'est compliqué à comprendre, mais... même si je l'ai nié, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je vois que tu es très déterminée et je ne vais pas t'empêcher de rester. Mais est-ce qu'on peut au moins déjeuner ensemble? Et si ça se trouve, ça n'arrivera plus avant longtemps. Maman, je n'ai aucun problème avec toi. Et je te remercie de m'avoir toujours écoutée. Pour m'avoir toujours soutenue. Pour être compréhensive. C'est tout ce dont j'ai besoin. Merci. Cette pluie est imprévisible, hein. Ça vient, ça part. Tout à l'heure, il pleuvait et maintenant, le ciel est nuageux. Je me demande si Angela va venir. Angela va venir ? Oui, on s'est arrangé pour revoir certains éléments du montage. Comme Isabella n'est pas là, on a décidé de travailler sans elle. Elle passe un mauvais moment. Oui. Je sais que Raphaël va épouser Fernanda. Et ça doit être horrible, non ? De garder espoir avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Oui, tu sais, tu ressens comme un grand vide dans le ventre. Ah tiens, il y a Angela. Laisse-moi lui parler vite fait, c'est la seule, d'accord ? Quoi de neuf ? Salut ! Je vais chercher un café, t'en veux ? Ouais, bien sûr. Avec deux sucres, s'il te plaît. Salut. Salut. J'imagine que tu sais déjà que Raphaël ne va pas se remettre avec Isabella. Ah ouais. J'espère que ça va la convaincre de sortir avec toi. Je lui ai dit la même chose. Mais elle est très triste et obsédée en ce qui concerne l'argent. Je vois. Elle sait pas comment vivre autrement, Rigoberto. Je te souhaite bonne chance pour la convaincre. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse semblant d'être ensemble? Eh bien, le truc, c'est que quand j'aurai fini mon travail pour l'usine, je vais devoir retourner à Mexico. Oui, Isa me l'a dit. Honnêtement, si tu pars, tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Oh, tiens-toi bien, Macaroni, tu as déjà mangé. Fais attention à ma table. Bon sang. Ah, il va énormément pleuvoir. J'ai réparé le poulailler pour qu'il ne soit pas inondé. Alors viens nous rejoindre pour le déjeuner. Ah, ouais. Fernanda est sortie? Je n'ai pas vu Étincelle. Oui, elle est allée se promener. Elle est vraiment inquiète. Parce qu'en ce moment, Raphaël doit être en train de parler de leur mariage à son père. Et Octavio ne veut pas d'elle comme belle-fille. Non, le taureau toscano ne veut personne. Mais ce qui compte, c'est que Fernanda et Raphaël soient ensemble. Elle a beaucoup souffert et elle a besoin de Raphaël pour arrêter de penser à des choses qui ne font que la blesser. Je vais dire aux autres que le repas est prêt. Bon appétit. Merci. De rien. Ouais, Isabella m'a dit qu'elle voulait t'accompagner. Mais honnêtement, je n'en ai pas envie. Elle dit qu'il veut s'éloigner de tout ça, que les gens ne feront que se moquer d'elle. Et elle est toujours inquiète à cause de l'argent. T'as déjà pensé au fait qu'elle pourrait ne jamais se sortir cette idée de la tête? Excuse-moi, ça doit sûrement être mon père. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réussi mon examen! Non! Si! Non, regarde! Je peux pas. Rigoberto, il n'y a pas que ça, regarde ici. Quoi? Tu es la deuxième personne avec le meilleur résultat. La deuxième? Mais oui, regarde. Tu vois? Ouais. Tu te venges, hein? Non, comme bien sûr que non, c'est pas moi. Quel genre d'ami tu es, moi? Non, j'ai pas fait ça. Ah, mon ami, j'ai réussi mon examen. C'est pas vrai. Regarde. C'est là. Félicitations. Merci. Et en plus de ça, je suis deuxième. Regarde, c'est moi qui est là. Attends. Deuxième place, c'est là, regarde. Incroyable. Si. Félicitations. Tu vois, c'est tu pas mal. Le faire. Je te l'avais dit. Ah ouais, dit, la classe.
Qu'est-ce qui s'est passé quand le chef était avocat del Rio? Il était tellement énervé, c'était incroyable. Ça ne doit pas être aussi grave que ce qui s'est passé ici avec les inspecteurs. Vous savez qu'on enregistre une quantité de déchets inférieure au nombre réel de tonnes. J'ai vu ça avec lui, et on va arranger ça. Mais je pense que... il y a autre chose qui le dérange. Oh, il a des problèmes familiaux. J'espère que ça va s'arranger parce qu'il devient de plus en plus difficile à supporter. Je crois que sa mauvaise humeur ne vous regarde pas. Mais j'aimerais aborder quelque chose d'autre avec vous. J'ai vu que vous aimez bien Angela. Et alors? Elle n'est pas comme les autres femmes que vous fréquentez. Alors faites très attention. À vous entendre, on dirait qu'elle vous intéresse. Vous êtes fou. Il me semble que vous êtes toujours un homme marié. Et sortir avec la meilleure amie de votre fille ne ferait pas très bonne figure. Ce qui sera pire, c'est la raclée que je vais vous donner si vous essayez de franchir la ligne avec elle. Je doute qu'Angela soit indifférente. Angela est trop intelligente pour être intéressée par quelqu'un d'aussi méprisable que vous. Mais je vais rester vigilant au cas où. Pachita a préparé ton repas préféré. Ah non, c'était pas nécessaire, maman. Sérieusement. Non, mais écoute, on peut se voir quand tu veux, tu sais. C'est vrai, mon chéri. Qu'est-ce que tu attends pour quitter cette maison? J'ai demandé à Raphaël de déjeuner avec nous. Non, certainement pas, Laetitia. Il a choisi d'aller avec Fernanda, non? Eh bien, qu'elle soit la seule à lui donner à manger. Je vais y aller, maman. Je ne veux pas dire quelque chose que je pourrais regretter. C'est ça, vas-y, vas-y, va-t'en, laisse cette petite Fernanda te dire quoi faire. Écoute, je ne crois pas que je vais tomber dans ton piège, papa. Très bien, Raphaël, tu fais ce que tu veux après tout, non? Tout le village est au courant que Fernanda... Et attention à ce que tu vas dire. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi, c'est tout le monde qui le dit. Tous les éleveurs. Quoi? Tout le monde sait que Fernanda est la maîtresse de César. Raphaël, s'il te plaît. S'il te plaît, mon chéri. Qu'est-ce que ce misérable Octavio a dit à Raphaël? Oh, sois patiente, Fernanda, il te le dira, tu verras. Et si son père ne t'accepte pas, c'est encore mieux. Comme ça, tu n'auras pas affaire à ce sale type. Tu n'as pas tort. Mais si je dois entrer à Hacienda El Primor, il vaut mieux que ce soit en toute bonne foi. Tu t'entends mieux avec César, non? Un peu mieux. Et en parlant de lui... tu savais qu'il a une femme et une fille? Oui. Il t'a dit quelque chose? Non. C'est pour ça que je demande. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas retourné auprès de sa famille au lieu de venir ici? Est-ce qu'il a fait quelque chose à sa femme et à sa fille? Non. César est un très bon père. C'est pour ça qu'il a fini en prison. Hein? Comment ça? Juana, ils l'ont enfermé parce qu'il a essayé de tuer le type qui a assassiné sa fille. Écoute, je lui ai déjà parlé. Et entre Fernanda et cet homme, il n'y a absolument rien. Et toi, tu l'as cru? Bien sûr que je l'ai cru, papa. Mais tu es vraiment naïf pour te laisser berner comme ça. Tu ne peux pas te taire pour une fois, Octavio. Ce n'est pas comme ça que tu vas régler les choses avec... Mais enfin, je suis son père, il faut bien que quelqu'un lui ouvre les yeux. Si tu dois me détester pour ça, eh bien je l'accepte. Mais je suis en train de t'aider. Tu auras beau me dire ce que tu veux sur Fernanda, ça ne va rien changer. Eh bien tu verras par toi-même qu'entre les deux, il y a plus qu'une simple relation entre patron et employé. J'espère que tu ne regretteras pas tes paroles. Est-ce que mon père a déjà regretté de faire du mal aux autres par hasard? Mais qu'est-ce que tu vas faire, hein? Partager Fernanda avec un autre? Arrête! Ça suffit, Octavio! Raphaël, pars, s'il te plaît! Mon chéri, fais-le pour moi! Va-t'en! Tu m'en fais baver, papa! Oh, non, 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 tiens. Mon chéri! Je ne suis plus ton fils! C'est vraiment triste. Je me doutais absolument de rien du tout. C'est vraiment horrible, Juana. Si Luis n'a pas supporté de voir mon Santiago mourir,
Qu'est-ce qu'a dû ressentir César? Ça a dû être vraiment un choc pour lui quand il a vu sa fille mourir. Oh, non. Non. Et sa femme? Elle aussi est morte à cause de ce qu'Octavio a fait. C'est donc pour ça que tu as amené César ici? Tu voulais que tous les deux vous vengiez d'Octavio? C'était mon plan au départ. Mais tu vois que ça a changé depuis que je suis avec Raphaël. Pour ton bien, j'espère que tu me dis la vérité. Parce que si tu veux être heureuse avec Raphaël, tu dois abandonner cette idée. On en a déjà parlé, Juana. Arrête. Il faut que je me prépare pour voir Raphaël. Laetitia, tu aurais dû me soutenir parce que je suis ton mari. Au lieu de prendre parti pour ton fils qui fait tout de travers. Enfin, écoute, tu n'aurais pas dû lui dire les choses de cette manière, même si elles sont vraies. Quand il s'agit de dire la vérité, je ne tourne pas autour du pot. Je suis toujours direct. Je ne parle pas pour rien. Est-ce que tu as des preuves de tout ce que tu as dit sur Fernanda? Je le sais. Et pour moi, c'est suffisant. Tu ne vas pas me dire que toi aussi tu doutes de ma parole? Ton attitude a provoqué le contraire de ce que tu voulais. Tu l'as pratiquement jeté dans les bras de cette femme. Même si c'est avec des coups. Raphaël doit savoir que chaque décision a des conséquences. Oui. Pourtant, tu vois bien que tes coups n'ont servi à rien. S'il revient seul, les portes de cette maison lui seront toujours ouvertes, à condition qu'il s'excuse. Si les choses se passent bien pour lui avec Fernanda, elle a le droit de venir vivre ici. S'il revient avec cette femme, elle ne sera pas la bienvenue dans cette maison !